Distra et de la magistrature en particulier, le nous apprenons et arrestation et magistrat de Brésil, nous, eh bien, t'es fait diligence pour nous faire nous sous les lieux de l'arrestation. Là, nous arrivons, nous partons et c'est dans l'enquête nous, nous allons joindre dans le DCPJ. Là, nous arrivons, nous te communiquer avec, nous parler avec lui. C'est ainsi que nous disons, effectivement, vers les 3h du matin, eh bien, lui tendait blou dans l'espace de l'habité, qui c'est nos appartements dans le village. Et des cailles, et bien c'est ainsi, et pendant les en dans cailles là, selon sa dîme comme déclaration, et gain, ils ont lancé un grenade à lacrymogène dans la chambre. Et puis, il fait des manœuvres pour laisser subsister. Et c'est après, et bien, il y a des policiers du SGPN, et bien, qui viennent prendre, et puis qui sortent avec elle, et leur paraître, lui, ouais, et présence directeur général de la police là. L'IOE et monsieur et présent et monsieur Dimitri Erard, l'IOE présence et commissaire gouvernement et un juge de paix ainsi que un greffier ad hoc par la suite par le un greffier professionnel. Et puis il dit nous aussi il subit des mauvais traitements par rapport et dans le cadre d'arrestation. Donc nous-mêmes nous pas là pour nous toucher le fond de l'affaire, nous là pour nous dénoncer et bien et le caractère illégal et arbitraire de l'arrestation au regard de l'article 186 de la constitution qui fait de magistrat de Brésil eh bien et yon autorité qui bénéficie privilège de juridiction puisque magistrat de Brésil il est passif par devant la haute cour de justice. Donc nous même c'est ça n'a défendre question de principe puisque nous n'avons état de droit, nous choisissons démocratie. Donc démocratie il dit c'est dictature de la loi, il dit c'est respect des principes et bien respect des règles de droit. Donc nous même c'est ça notre position, n'a défendre et bien principe n'a défendre la loi. Donc pour les questions de fond nous pas rentrer là, maintenant il revient à autorité pour élucider ça à travers une enquête approfondie. Mais pour le moment n'a demandé libération magistrat puisque il a été arrêté en dehors et bien des normes, en dehors des règles de procédure. Voilà notre position au niveau du réseau national des magistrats haïtiens RINAMA. Et puis notre dialogue que nous avons gagné ensemble avec lui, est-ce qu'il confirme nous que ça a reproché là, il est vraiment exact comme quoi il a gagné le même discours pour installationner en tant que président? Est-ce que nous avons gagné ça comme information? Bon, la question que je me posais pour ça le faire, il dit que lui-même il va faire complot contre l'État. C'est sa déclaration. Moi, je rapporte ce qu'il dit. Donc, deuxième bagaille, il dit, ils ont pas pour lui. Seulement, ils reconnaissent, ils ont gagné deux, trois âmes qui attachées à service sécurité, que Mario André Sol, que Godson Aurelius, Tébali avec un responsable logistique PNH. Après ça, il dit que l'autre âme ne pas reconnaître. Et troisième bagaille, il dit, moi, je posé la question, il dit, que mes magistrats, si nous me citons comme probable monde qui est capable de venir président provisoire, c'est normal, moi, capable de commencer à réfléchir sur un embryon de discours. Ça c'est sa déclaration. Moi je rapporte ce qu'il dit. De toute façon, il y a une nouvelle qui t'a fait connaître que nous sommes supposés faire une conférence là. Ils ont fermé. Est-ce que nous sommes capables de confirmer une nouvelle ça pour nous? Oui, effectivement, les nouvelles là. Moi-même, je suis venu après. Moi, je suis le magistrat Morin de la NAMA, moi j'ai jeune magistrat Matel de la PM qui était en sur place à l'intérieur et yo dit que et responsable et dans l'école magistrature en dans CSPJ selon déclaration yo dit pour pas gain accès à local là pour faire conférence de presse là et du coup nous-mêmes nous dit comme étant donné que le pouvoir judiciaire lit et bien est représenté par les cours et les tribunaux de la République. CSPJ c'est un organe d'administration. Donc c'est nous les magistrats qui représentons le pouvoir judiciaire. Donc et maintenant je dis à Nabdi à tout le monde, la constitution lui consacre l'indépendance des trois pouvoirs, qui c'est le pouvoir exécutif, judiciaire et législatif. Donc nous-mêmes comme représentants de notre pouvoir, eh bien, nous venons là pour nous capables d'attirer l'attention de tout le monde que le magistrat de Brésil il a été arrêté eh bien, en violation de l'article 186. De la constitution puisque lui bénéficie privilège de juridiction sans nous pas rentrer nous-mêmes dans le fond de l'affaire. C'est une bonne situation ça qui comporte pour nous côté bon. Bon et là pour ça nous fait nous dénoncer et caractère arbitraire là puisque la loi pas appliquée. Maintenant après ça moi pensais qu'il y a l'autre initiative qu'a prend et pour capable et faciliter et bien magistrat lui sortir dans les liens de la détention. Nom c'est magistrat Edume Hickinson, président du réseau national des magistrats haïtiens, RINAMA. Merci beaucoup. Merci. Association professionnelle des magistrats haïtiens,
réseau national des magistrats haïtiens, nous remercions nous de ce que nous répondons à l'invitation de différentes associations qui ont support. Et M. Komadio, qui est support Mme Jujo, parce que pour des raisons, il pas là, mais toute la magistrature, toutes les associations, nous gagnons une unité, une solidarité entre nous à partir de sa rivière. Pour nous, que nous excusez-nous dans nos toutes collègues là, qui sont de ce que matin, c'est dans la rue. Devant l'école magistrature, devant barrière, non, le téléphone dans le même milieu. Vous avez le seul espace là, mais vous obligé à aller. Hier soir, très tard, moi-même personnellement, moi t'ai parlé avec magistrat Termesi, qui c'est lui-même directeur de l'école magistrature. Il dit à 9h du matin, la pral joint avec l'administrateur là. De manière pour que nous capables d'être conférence là. Mais à 9h, l'aile parée nous et l'un nous pas capable de jouer un magistrat. Nous dédions la sous perron là parce que Conseil supérieur au pouvoir judiciaire là, c'est là qui est décidé et nous-mêmes. Nous, c'est le pouvoir judiciaire là, parce que c'est magistrat qui exerce le pouvoir judiciaire là, et le CSPJ, c'est l'organe administratif du pouvoir judiciaire. Malheureusement, là, nous levons, c'est pas faute, c'est agent de sécurité, c'est pas eux-mêmes, mais ils n'ont pas recevoir l'ordre pour quitter nous entrer. Magistrat est dû, mais venir pour entrer, ils ont bloqué le magistrat. Et Martel qui est en dedans, il a dit magistrat Martel que il n'est pas capable de sortir. Donc ça pile parler qui fait magistrat Martel, lui-même qui est en dedans, obligé de sortir. Nous n'avons pas aucune explication sur ça parce que nous ne comprenons pas ça. Mais comme nous sommes dedans et bah, nous rendez-vous, nous recevons nous devant barrière. C'est matin. Nous apprenons que et la Cour de cassation lui-même est assiégée par des hommes en uniforme et armés. C'est possible que ce soit des policiers nationaux. Mais côté n'a parlé à la, nous pas qu'à connaître si c'est des policiers nationaux, parce que les juges de la Cour de cassation n'ont pas accès dans la Cour. Ils n'ont pas qu'à rentrer dans la Cour. Et c'est un bagage gravissime que les juges dans la plus haute instance judiciaire dans le pays n'ont pas accès dans le bureau, pas accès dans la cour. Mais le véritable et but de conférence, là, c'était pour nous adresser nous, nous-mêmes, différentes associations de magistrats qui sont seules, nous voulons faire nous connaître que. Nous apprenons des dispositions pour que le magistrat Ivikel Dabrizil, qui lui-même enlevé, selon moi-même président Anama, séquestré à la DCPJ pour libérer rapidement. Je vais passer rapidement la parole à le magistrat et Martel, qui est président de l'association professionnelle magistrat, qui va parler de. Comment vous êtes capable de procéder à l'arrestation d'un magistrat qui en exercice? Après ça, le magistrat est Edumé lui-même l'a adressé nous sur d'autres questions. Merci. Merci. Nous-mêmes, et comme monde qui te rendons dans les heures qui suivent après l'arrestation du magistrat. Pourquoi pas passer mon autre bord? Non, parce que nous sommes au courant par rapport aux réseaux sociaux que le magistrat Ivikel Dabrizil. Qui fait objet de arrestation. Nous allons entrer aux amis. Nous te prenons la rue pour nous chercher qu'on est dans quel endroit qui nous mettait. Et c'est ainsi que nous allons et joindre dans le DCPJ. Et le nous demander de dire que le DCPJ a complété et fait nous communiquer avec lui. Nous avons mené le magistrat à nous. Et nous te communiquer avec le magistrat, nous expliquer nous. Effectivement, et vers les 3h du matin, donc il dit surprendre. Eh bien, on quantité de monde qui a coulé, qui débarque la caille.
et en dans chambre de pays là yo voyez une grenade lacrymogène donc ça a fait mettre accent sur lui donc on monde qui en dans chambre et puis vous voyez une grenade lacrymogène en dans chambre là donc c'est une sorte de tentative d'assassinat donc faut nous mettre accent sur ça et liguer la vie sauve grâce à l'intelligence qu'il a gagné et avec un bidon jus que lui expliquer nous qui était dans la chambre et il était passé dans le visage lui il était boit la donne qui permet qu'il était capable de résister face à assaut ça et en sortant eh bien des policiers USGPN lui dit que il était maltraité selon déclaration et il au balcou selon déclaration et il dit aussi et cargaison zam que lui ouais il présenté sur les réseaux sociaux c'est pas zam lié et il dit nous que lui-même et pendant qu'il a traité dossier Jean-Léopold Dominique, donc il était dans la nécessité pour lui gagner eh bien, des armes qui attachées à la sécurité. C'est ainsi que le directeur Mario Andresol a mis 11 armes à disposition et Gautier Norilus a mis 11 armes à disposition, plus et responsable et logistique et PNH a mis 11 armes et à disposition aussi. Donc nous demandons est-ce que il est signé pour ce verbal. Il dit nous que il était contraint pour signer le procès verbal et l'autre et Zamio, il te dit non, il va signer parce que il va reconnaître, il te signer le procès verbal seulement et bien Zam que légalement qui était attaché à et service de sécurité. Donc nous-mêmes n'a demandé pour et la communauté nationale et internationale tant de cris et trois associations et l'autre association magistrat qui va présent là pour cause de questions de sécurité. Nous-mêmes n'a demandé respect, n'a demandé respect principe, n'a demandé application de l'article 186 de la Constitution qui fait de magistrat du Brésil eh bien un monde qui bénéficie privilège de juridiction. Nous-mêmes nous connaissons que l'État est majestueux, quel que soit le monde, eh bien qui t'a capable eh bien la situation pour la loi t'a appliqué contre lui eh bien il pas qu'à subir mauvais traitement il pas qu'à subir des traitements inhumains et dégradants pour une personnalité de Trump magistrat de Brésil. Nous même nous pas dans le fond de l'affaire nous pas toucher le fond puisque gain information pas gain n'a touché la forme arrestation des bons gens pour le faire la loi tracé qui gens pour arrêter au monde la loi tracé qui gens pour arrêter un dignitaire de l'État donc magistrat de Brésil ils sont dignitaires de l'État la loi dit eh bien il est passible par devant la haute cour de justice et si monsieur dame autorité pas obtempéré par rapport à disposition de l'article 186 de la Constitution eh bien nous pensons que il est grand temps pour que eh bien nous nous saisir la cour interaméricaine des droits de l'homme qui pour capable et juger l'égalité à arrestation magistrat état Brésil là puisque inacceptable non état de droit nous mêmes nous pour état de droit nous faire choix démocratie dit c'est dictature de la loi c'est respect des principes donc non état de droit chaque monde doit respecter principes yo chaque monde doit respecter sa loi dit et ça fait nous mêmes nous pas dans le fond d'affaire nous dans la forme et bien forme arrestation illégale et arbitraire et bien nous dénoncer et nous demander dans les prochaines secondes pour que autorité yo prend disposition pour yo relâcher magistrat de Brésil et si par ailleurs tu as quelconque barrière à reprocher les bien et bien enquête capable d'une éclaircir question mais la question de détention magistrat de Brésil là nous dit l'arbitre illégal nous demander et bien pour yo libérer magistrat et n'a profité dit et avec toute et la presse nous commençons à subir des menaces et nous mêmes nous dit nous pas peur parce que nous défendons la loi nous défendons ça la loi dit sa texte de loi dit donc à autorité politique pour yo assurer protection et sécurité tout magistrat dans moment ça qui après la parole qui défend état de droit qui défend démocratie dans pays qui défend l'indépendance de la justice puisque la constitution lui consacre l'indépendance des trois pouvoirs exécutif, judiciaire et législatif. Donc nous-mêmes, nous représentons le pouvoir judiciaire là. Et nous avons tout dit ça. Donc CSPJ sont organes d'administration. Le pouvoir judiciaire est exercé par les magistrats, par les tribunaux et cours de la République. Donc c'est normal pour que Jodia nous campe d'un seul homme, d'une seule femme, et bien pour nous capables de défendre l'indépendance de la justice, l'autonomie de la justice. Et ça fait nous-mêmes nous défendre une question de principe sans nous pas rentrer dans la question du fond de l'affaire. Donc voilà en gros et bien position association magistrale. Et puis, je souligne pour nous avant que nous prenions.